promis, mercredi, je t'explique ça et ça. Ceux qui me suivent sur Instagram doivent savoir un petit peu ce qui m'est arrivé. Bref. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien se retrouver aujourd'hui. Attends, je vais cacher ça, sinon ça va te perturber pendant toute la vidéo. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Ouais. Bon, enfin. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu dans le titre, je vais unboxer la box sur demande numéro 3 du youtubeur Ben HPTS. Comme d'habitude, je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, bien entendu, et dans le petit i juste ici. Donc, c'est un youtubeur qui a une chaîne spéciale Harry Potter et qui a lancé ses box sur demande qui cartonnent vraiment. Donc là, c'est la box numéro 3 qui a été sold out en une journée. Donc franchement, si tu veux la box sur demande numéro 4 du youtubeur Ben HPTS, je te conseille d'aller directement le jour J, les premières heures. Je crois que la numéro 4 sort au mois d'août, donc il va falloir être hyper réactif quand il va annoncer la sortie de la box numéro 4. La box sur demande, c'est une box 100% Harry Potter de 29,99€ plus des frais de port. Je te mettrai ça juste là. Franchement, ça vaut largement le coup et j'adore tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti, pas plus de blabla que ça. Ça arrive dans les points relais près de chez nous, donc ça c'est cool. C'est dans une boîte comme ça, bien cartonnée pour que la boîte soit intacte. Hop là! Du petit papier et tada! Donc voilà comment se présente la box sur demande. C'est exactement la même boîte à chaque fois. Comme ça dure bien moins cher et franchement, moi, c'est pas plus mal. Donc il y a des petites baguettes juste sur les côtés comme ça, marquées la box sur demande juste devant avec la baguette qu'il y a sur chaque côté. Le petit Ben HPTS avec le petit éclair, voilà, qui fait référence à Harry Potter. Je suis un peu deg, je me suis fait trop spoil sur Instagram avec le hashtag la box sur demande. Donc franchement, si tu veux garder la surprise, ne regarde pas cette vidéo et ne va pas non plus sur Instagram avec le hashtag la box sur demande, ou alors désactive-toi le temps que la box arrive, parce que voilà, je me suis fait spoiler et je suis trop deg. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Donc normalement il y a un petit papier de soie. Hop, voilà. Alors oui, j'ai deux cartes dédicacées parce que la dernière fois il s'était trompé de prénom, donc il m'a bien refait ma petite carte. Donc merci beaucoup Ben si tu passes par là. Désolée pour l'erreur dans la box précédente. Bon déballage Ben. Franchement trop sympa, merci beaucoup Ben. Et donc on découvre, voilà, la nouvelle carte dédicacée. Elle est trop trop belle. Pour Meryl, Ben HPTS, trop sympa. C'est du coup lui au studio Harry Potter en train de pousser la valise, bref, à la plateforme 9 3 quarts. Franchement, j'adore. Et puis les petites cartes comme ça dédicacées, moi je suis une grande fan. Donc ça va rejoindre direct ma collection dans mon album photo. Oui, je mets ça dans mon album photo. Jolie surprise pour cette box numéro 3. On a un petit ticket, voilà, qui donne droit peut-être à un cadeau. Donc ça, je vais gratter ça à la fin. Donc découvre juste à droite si tu as la chance d'avoir l'un des 3 tickets gagnants distribués aléatoirement parmi toutes les commandes. Si tu as l'un des 3 tickets gagnants, écris-moi par mail au contact. Voilà, il y a marqué l'email. Indique-moi dans le mail le code secret indiqué pour que je vérifie la validité et que je t'expédie le lot. Rappel des 3 lots, on peut gagner soit 2 Funko Pops Harry Potter au choix, une baguette Ollivander au choix, ou alors la box sur demande numéro 4. Franchement, ça serait juste dingue que je gagne la box numéro 4. Parce que je suis pas très fan des pops, donc ça m'intéresse pas trop. Mais la baguette ou la box, franchement, ça m'intéresse de fou. Donc ça, je vais gratter ça, c'est sûr, à la fin. Donc, on a tout de suite aussi le petit flyer, comme d'habitude, recto verso. Il y a marqué exactement la même chose. C'est un message pour nous remercier d'être fidèles à la box. Et je pense qu'il doit être juste choqué d'avoir... d'avoir vendu cette box numéro 3 aussi rapidement. Donc il y a marqué « Hello les moldus, c'est mieux qu'être craquemold, grave !» Tellement heureux à l'idée que vous découvriez le contenu de cette box sur demande numéro 3. En quelques heures à peine, toutes les boxes se sont écoulées. Merci de votre confiance, j'espère de tout cœur que ces produits Harry Potter vous plairont. Comme promis, un petit ticket à gratter s'est glissé dans votre box. Parmi toutes les boxes commandées, 3 auront la chance d'avoir un ticket gagnant. J'espère tellement être l'une de ces gagnantes. Si c'est votre cas, envoyez-moi le mail, donc qui a marqué exactement pareil que derrière le petit ticket.
Une fois n'est pas coutume, je vous annonce à la fin de ce petit mot que la box 4 sera lancée dans les premiers jours d'août. Voilà, et c'est signé Ben HPTS. Franchement, j'adore. Direct, moi, les vidéos du mois d'août, là, à 10h du matin, je serai sur YouTube en train de regarder s'il n'est pas en train de lancer la vente de ces box numéro 4, parce que si la première s'est vendue en quelques heures, j'imagine pas la quatrième. Bref, donc on a tout de suite un petit papier de soie, comme d'habitude, noir, avec la petite pastille, voilà, de son logo de la box sur demande. Et donc, alors là, je déchire ça, mais comme une... Voilà, voilà, bravo Meryl. Non mais c'est une blague, ça a bougé, mais comment ça a bougé tout seul ça? Donc comme d'habitude, je vais pas regarder, je vais piocher ma main dedans et puis on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Bon, on a tout de suite, et comme d'habitude, la petite enveloppe noire avec plein de prints à l'intérieur, des cartes et tout ça. Moi j'adore, franchement, c'est l'un de mes objets préfs. Et donc on va voir à l'intérieur ce qu'il y a. J'adore. Alors, oula, j'espère que j'ai tout pris, yes, et donc on a des choses comme ça. Alors, on a un petit sticker comme ça de lunettes, alors je sais pas si c'est juste un petit sticker ou quoi. Bon, moi ça m'emballe pas plus que ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Oh, ça par contre c'est trop beau. Donc on a un marque-page comme ça. En fait, c'est le marque-page comme la photo dédicacée. Franchement, c'est trop beau. C'est une photo de lui, je pense, dans les studios où il y a marqué « Rendez-vous le 1er septembre, donc le jour de la rentrée à Poudlard ». Franchement, trop chouette le marque-page. J'adore ça. Et donc, on a une carte comme ceci de la salle des potions. Franchement, j'adore le design et tout le graphisme. Franchement, c'est trop, trop beau. Donc voilà, on a moins de choses dans cette petite enveloppe que d'habitude. Mais bon, moi, juste le marque-page et le petit print comme ça, moi ça me suffit, j'aime beaucoup. Ça, les stickers, franchement, c'est pas trop mon truc. Bref, je vais continuer. Alors, l'enveloppe noire, c'est fini. Alors ici. Ok, d'accord, c'est une boîte circulaire avec quelque chose dessus. Qu'est-ce que c'est? Ouh, non, c'est pas vrai, ça serait, oh, ça serait une bannière, regarde-moi ça. Ah, ça, franchement, trop bien, donc c'est sous licence. Je sais plus combien il y avait de pourcentage de produits sous licence, mais à peu près pareil que d'habitude, je pense, 70-80%. Et des petites choses, bah, comme les prints, là, créés, enfin, qui n'est pas sous licence, quoi. Tu m'as comprise. Alors, oh yes, oh, trop beau. Oh là 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 là. Mais en plus, c'est une grande bannière. Regarde-moi ça. Trop bien. Avec les petits trous comme ça pour pouvoir l'accrocher. Hogwarts. Franchement, elle est trop trop belle. J'adore. Elle est immense. Je ne sais pas du tout combien elle fait. Dimension 47/95. Ok. Franchement, j'adore. Donc, une jolie bannière comme ça pour pouvoir l'accrocher chez nous. Yes, ça commence très très bien déjà. Hein. Alors attends, oula, mais il y a plein de choses. Donc je vais prendre ceci. Je pense que ça, ce sont des dessous de verre. Et en touchant au milieu, je ne sais pas si c'est pas les dessous de verre ou qu'on pose une boisson chaude dessus, ça fait apparaître une maison. Ah non, ok. Oh, ils sont beaux. Donc c'est Poudlard. Ça ressemble un petit peu, bah du coup... dans la box sur demande numéro 1, il y avait un print comme ça, avec Poudlard, avec une lune, mais celle-ci, elle est un peu plus jaunie. Mais voilà, des jolis dessous de verre. Poudlard, il y en a 4. Franchement, j'aime trop. Voilà, et ça, je pense que c'est encore avec son graphiste qui l'a fait, c'est pas sous licence. Donc, il y a les prints et ça qui n'est pas sous licence. Je continue avec ceci. Alors, c'est une petite pochette, ok. Oh, ça a l'air d'être un set de papeterie. Yes! Oh, franchement, j'aime trop le design. La meuf, elle est trop contente. Oh non, mais la petite gomme, là. Regarde-moi ça. Bordeaux et doré. J'aime trop Hogwarts. Regarde-moi ça. Oh là là, mais j'aime trop. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit taille-crayon avec le numéro 7. Donc, le numéro d'Harry au Quidditch.
J'aime trop. J'aime pas trop généralement les trucs de papeterie, mais alors là, le design doré et bordeaux comme ça. Oh là là, le petit crayon Team Captain de Quidditch, toujours. Donc or et bordeaux. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un stylo comme ça. Donc toujours Quidditch. Alors là, je sais pas si tu vas voir parce que moi, mon téléphone ne fait pas de focus. Mais franchement, trop beau comme ça. Je pense qu'il doit écrire soit noir, soit bleu, hein. Trop bien, nickel. On a aussi une petite règle. Oh là là, mes neveux et nièces vont être trop trop jaloux. Voilà, avec marqué Gryffondor. Bon, moi je te sers d'aigle, mais bon, ça passe quand même. Franchement, le design est trop trop beau. Et puis voilà. Comme une petite trousse aussi, le fait d'avoir la petite pochette à pression comme ça. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Allez, je vais continuer. Alors, je sens un gros truc là. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça en fait que je prends. Est-ce que ça serait pas une petite bouteille ça? Ah, si, je pense que c'est ça parce que ça a l'air de se dévisser sous petite pochette. Waouh! Oh non, mais j'aime trop! Hogwarts Apothecary. Franchement, j'aime trop le petit pochon déjà. J'aime trop ça. Et donc, toc toc toc. Waouh! Oh, trop bien! Oh, c'est trop beau! Donc, c'est une bouteille en plastique, voilà. Du polynectar, polyjuice, potion, voilà. Pour mettre son eau à l'intérieur ou alors pour mettre carrément autre chose. Franchement, trop bien. Ah, ça, j'adore. Franchement, j'aime trop. Et donc, ça, c'est vraiment sous licence. Voilà. Et donc, je crois que c'est la dernière chose. Et c'était ça que j'avais vu que je m'étais fait spoiler. Mais il est trop, trop beau. Un carnet. Bon, Ben est déjà fana de carnet. C'est sous licence, toujours. Et mais il est magnifique. Déjà que le carnet de la box numéro 2, je te la mets juste ici, la vidéo, si tu veux la voir. Le carnet était l'un de mes objets préf. Et là, c'est pareil. Mais il est magnifique. Et je galère à l'ouvrir. Waouh. Il est tellement beau. Regarde-moi ça. Harry Potter comme ça, en doré. Et le devant aussi, comme ça, là, en doré. Oh, trop beau. Propriété de Poudlard avec le stylo baguette, je suppose. Voilà. Ah, c'est un crayon gris à tailler en stylo baguette de Harry. Avec les petites choses comme ça là. Oh, j'aime trop. Oh, et puis la tranche comme ça, elle est en tissu avec des petites étoiles. Et donc à l'intérieur, c'est comment? Alors, en première, comme ça, on a ceci. Ensuite, ce sont des petites pages lignées comme ça avec le HP juste là en bas. Et pour terminer, c'est comme ceci. Voilà. Franchement, c'est trop, trop beau. Alors, attends, est-ce que je vais pouvoir le remettre? Yes. Oui, c'est bon. Franchement, trop beau. Donc, mes objets préférés, en vrai, il y a bah, ce carnet-là. La petite bouteille comme ça avec... Avec le petit pochon. Et j'adore les prints. Franchement, j'adore les prints. Le marque-page. La bannière est trop belle aussi. Les petites choses comme ça. On a été encore gâtés, je trouve, dans cette box. Je sais pas combien il y a de produits du coup. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 avec les prints. Donc on a eu 6 objets dans cette box. Non mais ça a encore rebougé tout ça ou quoi? Je suis hyper contente des produits. Je pense que je vais tout utiliser. Il n'y a pas quelque chose que je vais mettre de côté. Donc voilà, merci Ben encore une fois de nous avoir mis autant de belles choses dans cette box. Et je vais maintenant gratter ce petit ticket. J'espère avoir de la chance. Mais je sais pas, je suis pas vraiment chanceuse moi dans la vie. On va bien voir ensemble. Alors attends. Qu'est-ce que c'est ça? Moldu, perdu. Voilà, j'ai perdu, mais j'aime trop en plus le petit texte. Moldu, perdu. Je pense que ceux qui ont gagné, il doit y avoir marqué sorcier, bravo, vous avez gagné.
et puis avec un code. Bref, donc j'ai perdu, mais c'est pas grave, je vais garder le ticket comme ça précieusement. J'espère qu'il fera ça aussi pour la prochaine box numéro 4, parce que c'est clair que je vais l'acheter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu es resté jusqu'ici, marque-moi en commentaire ton objet préféré entre tout cela. Franchement, moi, c'est le carnet, forcément. Les prints aussi, parce que moi j'adore les prints. En vrai, c'est vraiment mon truc, les prints. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je te mets les liens en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le s'abonner qui est juste ici ou alors juste là en bas. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut! Let me back to you.